Oh, ça fait trop bizarre d'être devant la caméra à nouveau. Hola, que tal? Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question hyper importante à te poser. Quand est-ce qu'on sera à 10 000 sur cette chaîne? D'accord, donc le mec n'a pas fait de vidéo depuis 2 mois et direct il demande commenter, s'abonner, nanani, nanana, tout ça, mec, ça va tranquille, le boulard, la grosse tête, le melon, la taillouk. Sérieux, mec, franchement, ça me saoule, le Attends, boulard. avant de t'exciter, attends un petit peu. Justement, qui dit retour sur cette chaîne dit nouveau concept. Et j'ai envie de mettre en place ce nouveau concept. À chaque début de vidéo, une question à laquelle tu réponds en commentaire. Et la personne qui est le plus proche gagne quelque chose. Je suis actuellement en train de réfléchir à ce qu'il y a à gagner. Mais je pense que ça peut être très sympa. Il suffit juste de commenter, par exemple, dans ce cas-là, le jour et l'heure à laquelle tu penses qu'on sera à 10 000 abonnés sur cette chaîne. Sachant qu'aujourd'hui, on doit être à peu près 9 500 et quelques. Donc voilà, je te laisse commenter et il suffit d'avoir la bonne réponse ou presque la bonne réponse, ou en tout cas la réponse la plus proche, pour gagner un truc, je pense, plutôt sympa. Ah oui, y a des trucs à gagner, genre des cadeaux et tout, genre des trucs bien ou quoi, genre ça va en fait, ça va, t'as pas tant la grosse tête que ça en fait. Voilà, tu l'as compris, je suis de retour sur cette magnifique plateforme qu'est YouTube. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait presque 2 mois que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne. Pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer tout de suite après le générique. Générique qui est tout beau, tout propre, tout neuf. C'est parti, générique. Grosso modo, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo et il y a plusieurs raisons à ça. Je suis rentré sur Rennes pour reprendre mes études, mais également pour reprendre le boulot. Donc, qui dit 2 emplois du temps dit qu'il reste plus beaucoup de temps pour faire les trucs que j'aime, les trucs perso, c'est-à-dire faire des vidéos, voyager, etc. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça va me permettre derrière de pouvoir repartir et refaire du contenu. Il y a également une part d'envie. Je pense qu'après tout le contenu que j'ai créé cet été et l'énorme road trip que j'ai pu faire qui m'a vraiment fait énormément kiffer, ben, je suis arrivé un peu à une baisse d'envie. De faire des vidéos, mais cette envie est en train de revenir et je me relance dans des vidéos. Donc c'est la première annonce de cette vidéo, je suis de retour sur YouTube avec un contenu en plus qui va être régulier à nouveau, un contenu, une vidéo tous les dimanches vers 10 h à peu près. Faut encore décider l'horaire exact, mais ça va être à peu près dans ce zoo-là le matin pour que tu puisses la regarder juste après ton petit déjeuner ou juste après manger. Globalement, j'ai repris goût à faire du contenu, que ce soit des vidéos ou des photos. Et donc la deuxième annonce, c'est que je suis de retour également sur Instagram. Si tu ne me suis pas, je te laisse me suivre juste là. Et en gros, je vais faire en sorte de poster au minimum une photo par jour sur mon compte Instagram pour te faire suivre, te faire vivre, pardon, au jour le jour, la vie de vanlifer, de nomade sédentaire. Donc j'espère que tu es abonné. Si ce n'est pas le cas, je t'en prie, va faire un tour sur mon compte. Je passe directement à la troisième annonce, l'arrivée de très 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 gros contenu sur ma chaîne. Vas-y frère, arrête, arrête. La dernière fois t'as dit ça, ton contenu lui était nul frère. Genre vas-y, je fais des randonnées avec mes potes. Vas-y, j'ai des meufs qui viennent dans mon camion et tout. Vas-y, arrête, arrête. Ton contenu était trop nul à chaque fois. Tu dis de contenu de qualité, qualité. Alors par contre, je dis pas que tu vas forcément kiffer ce que je fais. En tout cas, moi je kiffe le faire, le monter, te le partager. Donc je pars du principe que tu vas le kiffer et que ça va te faire plaisir de regarder ces vidéos. Bien évidemment, je compte sur toi pour me le notifier, que ce soit par des pouces, par des commentaires, par des partages, par tout ça. L'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose de gros autour de cette chaîne. J'ai plein, plein de choses à te partager, plein, plein de choses à faire. Je vais prendre énormément de plaisir à le faire, j'en suis sûr et certain. Je prends déjà du plaisir, j'ai repris depuis quelques jours maintenant et je peux te dire que j'ai une nouvelle énergie qui arrive là. Donc je pense que ça va être du très lourd. Bien évidemment, j'attends tes retours, j'attends ton avis pour savoir si ça plaît, si c'est bien, si c'est intéressant, etc. Voilà, j'espère vraiment que tu vas kiffer ce contenu qui arrive, comme je disais, de façon hebdomadaire dès dimanche prochain. Quatrième annonce, j'ai enfin pris la décision de prévoir des choses à chaque palier d'abonnés. Je parlais du palier des 10 000 en tout début de vidéo. C'est le premier palier. Et il y en a qui arrivent juste après. Au début, je voulais pas le faire parce que je trouvais que ça faisait un peu boulard, un peu grosse tête. Ouais, le mec fait à plein d'abonnés et tout. C'est pas du tout ça en fait. C'est juste que
Je pense avoir beaucoup de choses à partager avec toi. Je pense que tu as beaucoup de choses à partager avec moi. Et plus on est, mieux c'est. Et j'ai prévu des actions, des défis, des choses à offrir, à partager, des endroits où aller en fonction du nombre qu'on est pour vous remercier, pour partager avec vous cet engagement et tout ce qui se passe sur cette chaîne. C'est pas du tout, voilà, j'ai vraiment, j'assume maintenant totalement le fait que je veux développer cette chaîne. Je veux qu'on soit le plus possible pour partager au maximum. Donc, je trouve ça intéressant et plutôt marrant de prévoir des choses et des trucs à faire à chaque palier d'abonnés. Le premier palier, c'est les 10 000, comme j'en ai parlé, ça arrive plutôt vite. Bon, puisqu'on est entre nous là, normalement à ce stade-là de la vidéo, il ne reste plus que les gens qui sont vraiment intéressés. Je vais vous parler de ma cinquième annonce, une annonce d'un projet assez gros que j'ai déjà commencé, un projet que j'ai intitulé très très sobrement Les 12 travaux de Val, donc un projet qui va courir sur un an. Dans lequel je pense que je vais pas en chier, mais ça va être assez compliqué. Donc, ça va être sur cette chaîne, ça va être un contenu un peu plus différent de ce que j'ai l'habitude de faire, de ce que tu as l'habitude de voir, mais qui je pense devrait te plaire et devrait peut-être te motiver. Donc, ce sera toujours très qualitatif. Je veux vraiment faire du quali à fond, ce sera pas des vidéos entre guillemets faites à l'arrache. Donc, je t'en dirai plus en temps voulu. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa à faire tous ensemble. Ce sera à suivre également sur mon Instagram pour avoir plus de live, plus de en direct au jour le jour, etc. Mais bien évidemment, il y aura des vidéos récap sur YouTube pour pouvoir suivre tout ça. Hey, tu parles à qui là, wesh? Oh, tu... Hey, tu parles à qui là? Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, je parle à personne, je réfléchis juste à voix haute. Voilà, ça fait énormément d'infos d'un coup, j'en suis conscient. L'objectif, c'est pas du tout de te saouler. Ah putain, j'ai oublié le. Je voulais aussi dire que j'avais à moitié refait mon van, mais ça, tu l'as déjà remarqué. Bon, bref, j'en reparlerai un peu plus aussi dans les semaines à suivre. Mais bref, beaucoup d'infos, j'espère que tu as pu tout comprendre et tout prendre en compte. Je te retrouve dès la semaine prochaine. N'oublie pas, bien évidemment, de t'abonner, de partager, de liker cette vidéo. Bref, de faire tout ce qui fait que cette chaîne peut grandir et évoluer grâce à toi. Bisous! Ah oh ouais frère, pense à commenter, tu sais quand est-ce qu'on sera à 10 000 là? Comme ça, la date et l'heure et tout là, parce qu'on est bientôt 4 chiffres, la commu et tout, ça fait zizir. En plus, il y a un cadeau gagné, ça fait plaisir ça, mais...